Bon, je crois que la victoire du candidat Obama est d'abord une victoire pour le peuple américain. Je crois que le Camerounais ou l'Africain n'a pas à trop se réjouir de cette victoire-là. Parce que Obama est là pour servir d'abord l'Amérique et non l'Afrique. Je crois que nous devons aussi, nous pouvons nous réjouir parce que c'est noir et que c'est une page de l'Amérique en fait, qui est en train de s'écrire avec lui. Le fait que Barack Obama ait gagné est une très très bonne chose parce qu'il y a un président américain qui avait dit, je ne sais pas qui c'est, John Kennedy, qui avait dit que d'ici 34 ans, on aura un président américain noir à la maison de Blanche. Et nous sommes déjà presque vers 47 ans, donc c'était le moment opportun. Ce qui est vraiment un président noir dans la Maison Blanche, et en plus il incarne l'Afrique et l'Europe, puisque nous savons qu'il n'y a pas de, il n'y a pas d'Américain naturel, si je peux le dire ainsi. Donc, et nous avons remarqué que tous les crises des États-Unis se sont réalisées sur le régime républicain. Donc nous pensons qu'étant un démocrate quand même, il ferait un peu de revoir l'économie américaine, de revoir les politiques financières mondiales, bref, de revoir un peu tout le système financier, quoi. Donc c'est une très très bonne chose qu'il ait gagné. Oui, vu la victoire de Barack Obama, déjà, étant donné que son nom est un nom bantou, je pense que c'est plutôt l'Afrique qui est un peu dans le sens de la victoire. Et donc, c'est une joie pour les Africains, ne serait-ce que du nom, parce que l'Afrique est un peu à l'honneur, et la race noire en particulier. Obama, c'est une très bonne chose. Une très bonne chose, parce que Obama incarne l'Europe et l'Afrique. Bon, et il est doux. Et je pense qu'Obama a gagné, le système va changer, le monde va changer. Obama, c'est celui qui fallait au monde. Le terrorisme va diminuer. Et le racisme également. Donc il incarne vraiment ce que tout le monde attendait. Je suis content à mesure où ça. C'est la première fois que ça arrive dans l'histoire des États-Unis qu'un noir remporte les élections présidentielles. Et j'espère que ça va changer l'image du noir.